de cette scène de violence témoigne. Donc, le prêtre est descendu. Quand il est revenu, il est descendu. Il a demandé qui est là. Il a dit c'est Toumba qui est là. Pendant ce temps, Toumba était où? Maintenant, dès que le président est venu d'être là, il s'est levé, il s'est arrêté. Moi, le président avait dit, tu veux me faire honner? Le président a demandé, il dit, tu veux me faire honner? Il dit, comment est-ce là? Il dit, regarde comme ça, tu es habillé. Il a enlevé, il avait un zapo. Il a enlevé son zapo. Le président a enlevé ça? Ah oui, sur sa tête. Il dit, regarde comment tu es habillé. Avec l'arme comme ça, là. Il dit, donne-moi l'arme. Comme ça, il dit, non. C'est que Makambo Cels a créé la bagaille. Comment il peut prendre mes hommes, les mettre en prison sans passer par moi? Maintenant, Makambo veut répondre. Peut-être le président, même il a dit ce que si tu parles à lui, c'était pas du tout. Bon, quand il était dans quel pays? Il était avec, dans sa main comme ça, là, toujours. Donc le président est venu, il voulait le retirer. Non, toujours, la prochaine année, peut-être toujours, il ne pas du tout. Entre-temps, Begré est venu parler auprès de lui, vers sa droite. Il dit, Excellence, c'est ma sœur qui est venue dire à Toumba que moi je veux faire coup d'état. Toumba, dès que ma sœur a dit à Toumba, Toumba aussi s'est déplacé, venu dire à Begré. Maintenant, le président dit, c'est ma sœur qui t'a dit ça? Hein? Après le parole, là, c'est dans le petit temps, là, exactement, on a entendu le coup de feu. Bon, je me suis par surprise. Le président a entendu le coup de feu. Les violences se sont transportées jusqu'aux alentours du camp Al-Faye Yadiane, comme le témoignent ces images. Toumba Diakité réussira à quitter le pays malgré les dispositifs de contrôle renforcés. Quelques jours plus tard, il donne sa version des faits sur ce qui s'est réellement déroulé au camp Koundara. J'ai tiré sur lui parce que, à un certain moment, il y avait une trahison totale à mon égard, une trahison totale de la démocratie. Il a essayé de reconduire toutes les charges des événements du 28 septembre à ma personne. C'est un acte de trahison qui m'a poussé à réussir avant que ça ne soit à moi mon tour. Donc c'est extrêmement important parce que les événements du 28 ont été montés et les procès ont été montés. Donc c'est moi qui devrais répondre à tout ça étant donné que c'est pas ça du tout. Est-ce que vous comptez vous livrer à la justice de votre pays ou est-ce que vous pensez continuer à vous cacher? Je ne compte pas me livrer parce qu'ils ne veulent pas que la réalité même soit connue. Donc ils préfèrent me tuer avant que je ne puisse. C'est une chance que j'ai eue avec vous d'expliquer, de donner les explications. Le jour du 28 septembre, il les a envoyés en précurseur pour aller s'interposer, empêcher les manifestants sur la chemin. Ils connaissent cette réalité du terrain. Et il a également fait venir 250 nouvelles recrues du centre d'instruction de l'école de l'armée de la mer, dénommées Siam, qui ont été manipulées, habillées en tenue civile, armées en armes blanches et qui ont causé de nombreux massacres. Et tout ceci, ils connaissent la réalité du terrain. Et nous sommes venus au stade dans les environs de 11h, la situation était déjà pure et la responsabilité individuelle qu'ils aient prise, c'était directement aller pour sauver les leaders. Toumba